Voilà, j'ai commencé à enregistrer cette réunion. Donc, oui, donc c'est super qu'on ait tous ces documents, toutes ces vidéos, parce que c'est ce qui nous manque en français, hein. On est quand même les pionniers du marché français. Donc, il faut ça veut dire ce que ça veut dire, dans le sens que quand on est pionnier du marché français, enfin du marché francophone, on va dire globalement international, bien, on n'a pas tous les outils à disposition, il y a un petit peu de difficultés à démarrer, mais ça demande des leaders, hein. Donc, vous êtes vraiment parmi les leaders. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que dans le futur, vous allez pouvoir bénéficier de contributions, de rémunérations plus importantes parce que vous allez être au top du marché, hein, au top des marchés. Donc, c'est bien, c'est moins facile, mais c'est aussi beaucoup plus, comment on dit en français, rewarding, on dit en anglais. Valorisant. Valorisant, oui, mais non, rewarding, c'est. Non. Récompense, une meilleure Oui, récompense. voilà, il y a la récompense est plus élevée. Ouais. Alors, évidemment, j'ai mon franglais là qui vient parce que je baigne dans l'environnement anglophone, donc vous m'excuserez si de temps en temps je cherche mes mots, donc je compte sur vous pour m'aider si j'en oublie un morceau. Patrick, si ça va plus, tu fais Schweizerdeutsch. Ayo, das kann ich auch machen. Tu vois? Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Hein. Sandrine, tu parles Moi, je parle pas. Alors, pas du tout. Ok, alors, on va commencer. Je vais partager mon écran. Attendez, je vais enlever aussi mon Outlook. Je vous propose d'éteindre de votre côté peut-être toutes sortes de distractions. Cette formation est une formation intense où je vais vous donner beaucoup d'informations. Il y en a quelques-unes qui sont écrites sur l'écran du PowerPoint, mais il y a beaucoup de l'information que je vais vous dire qui ne seront pas notées sur le PowerPoint. Vous pouvez enlever la caméra si vous voulez, Ouais, parce que pendant ce temps, mais il n'y a c'est pas de pour la problème. communication, c'est mieux, hein. Oui, vous pouvez aussi vous muter. Élève, c'est marrant. C'est qui l'élève? Bien, c'est vous. C'est Hubert, Ah, c'est Hubert qui est l'élève. je ruse. En fait, je suis professeur, mais je me comporte comme un élève. C'est Et bien, après, je viens de tirer les oreilles à Toronto. c'est bien, c'est bien. Ok, super. Donc, oui, alors c'est important peut-être que vous éteigniez le micro. Pour avoir pas de retour de bruit, etc. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je choisis ça. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran au complet? Qu'au moins une personne réponde? Ouais, Oui, c'est pour pour moi, moi. c'est bon. Mais bon, ok, super. Donc, cette formation est basée sur le mois de janvier, qui est toujours un mois de. Où on a des bonnes intentions, on a l'intention de changer des choses. C'est un mois où on redémarre une nouvelle année et puis on prépare ces années à venir. Donc, je vous incite à prendre des notes, hein, comme je disais tout à l'heure. Je vais passer à travers toutes sortes de choses. Alors, évidemment, quand on veut faire des bonnes résolutions, quand on a des bonnes résolutions à faire, c'est toujours important de regarder où on se trouve, hein. Durant cette formation, je vais vous donner des informations. Si vous avez des questions entre deux, vous pouvez, mais j'ai aussi une période de questions à la fin. D'accord? Donc, l'état des lieux dans l'ici et le maintenant. Parce que si vous voulez arriver quelque part, il faut savoir où vous êtes. Alors, posez-vous des questions. Où c'est que vous en êtes dans votre vie? Alors, est-ce que votre niveau de satisfaction, parce que finalement, on en est tous là, c'est de savoir est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on a un niveau de satisfaction optimal et à quel endroit, hein? De 1 à 10. Donc, prenez des exemples sur le plan personnel, par exemple. Développement personnel. Parce que vous savez que autour de nous, tout avance très vite et que si on n'est pas à la page, ben, on est dépassé par les autres, hein? Donc, aussi, quand on est dans ce genre d'environnement professionnel, ça demande beaucoup de développement personnel, hein? Obligé de s'améliorer. Est-ce que vos relations sont satisfaisantes ou pas? Est-ce que vous aimeriez changer quelque chose? Est-ce que votre niveau de communication, parce que finalement, tout est de communication dans la vie,
tout passe par la communication. Alors, est-ce que vous trouvez que vous avez un bon niveau de communication? Est-ce que vous êtes satisfait de 1 à 10? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez améliorer? Donc, ça, c'est un point important parce que c'est la communication, ce n'est pas seulement au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau avec vos enfants, vos parents, vos amis, tout. D'accord? On leur parlera un peu plus en détail. Mais il faudrait que je fasse, en fait, une autre formation en particulier autour de la communication. On en a fait une semblable. Enfin, il y a des bouts dedans. Mais on pourrait spécifiquement axer là-dessus à un moment donné. Alors, au niveau de votre santé, est-ce que vous êtes content? Vous avez le poids que vous voulez? Est-ce que vous avez la santé que vous voulez? Justement, on parlait avec un des distributeurs ou un des partenaires de l'équipe qui a décidé d'arrêter de fumer et puis de faire de l'exercice, qui est super. Et c'est toujours les bonnes résolutions du début d'année, typiques. Combien de temps elles tiennent, à votre avis? Quelqu'un va répondre? Elles tiennent combien de temps? Un mois. C'est ça, un mois et 6 semaines, exactement. Moi, toute l'année, moi. Bravo, bravo. Bon, en tout cas, pour ce qui est de fumer et de, ouais, d'exercice, c'est sûr. Mais il y a d'autres au niveau de la santé. Est-ce qu'on pense qu'on mange bien ou est-ce qu'on veut commencer à faire du bio ou bien est-ce qu'on veut commencer à être plus équilibré? Enfin, toutes sortes, plus d'exercice, etc. Hein? Au niveau de vos finances, est-ce que vous êtes content? Vous êtes satisfait? Vous êtes dans votre zone de confort? Ou bien est-ce que vous aimeriez vraiment avoir la possibilité d'atteindre des objectifs plus importants et beaucoup plus grands? Donc, c'est la question que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous voulez un 500 euros de plus, un 1000 euros de plus par mois, un 10 000 euros de plus par mois? Définissez tout ça. Au niveau de vos activités professionnelles, est-ce que vous vous sentez satisfait? Est-ce que vous êtes dans la plénitude, dans le bonheur total? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est le moment de faire un changement ou d'améliorer ou d'aller une nouvelle direction ou de rajouter une corde à votre arc? Voilà, donc ça, c'est l'état des lieux d'aujourd'hui. Faites une évaluation de 1 à 10, votre niveau de satisfaction. OK? Après ça, eh bien, il est important de rêver dans la vie. Hein. Si on ne rêve pas, on va nulle part. En fait, si on n'a pas de rêve, on n'est pas tellement heureux. Alors, c'est évidemment bien de rêver nos vies et de vivre nos rêves. Alors, c'est ce que j'aimerais vous aider à faire. Hein. Donc, sur un plan personnel, développement personnel, relations, communication, quels sont vos désirs? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez idéalement? Écrivez-le, parce que vous savez, moi j'ai appris quelque chose dans ma vie, ma longue vie. Avant j'avais des buts, mais je voulais pas. On me disait toujours, il faut les écrire tes buts, il faut les écrire. Et j'ai résisté pendant de nombreuses années. Je me suis dit, mais moi je les ai dans ma tête, j'ai pas besoin de les écrire, tout va bien, y a pas de problème. Et un jour je les ai écrits quand même, et ça a changé complètement. Mais alors j'ai atteint mes buts beaucoup plus rapidement. Donc, moi, depuis, évidemment, je les écris toutes les années et toutes les deux fois par an, d'ailleurs, je change, j'ajuste, etc. Donc, je vous encourage à écrire vos rêves, à les écrire concrètement et je vous donnerai encore des outils supplémentaires un petit peu plus loin dans la formation. Au niveau de votre santé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez faire un 10 km de course, un 20 km? Est-ce que vous voulez juste perdre du poids? Est-ce que vous voulez faire 30 minutes de marche par jour? Ça, ce serait idéal. Que tout le monde fasse un minimum de 30 minutes de marche par jour, quel que soit votre âge. Évidemment, si vous faites plus, c'est encore mieux, mais un minimum de ça. Au niveau de vos finances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quels sont les niveaux financiers que vous voulez atteindre? Et au niveau de vos activités professionnelles aussi. Donc, définir ce que vous voulez vraiment, rêver haut et toutefois, rêver quand même dans la réalité. Alors, quand on écrit des buts, c'est bien de les faire d'une manière smart. Hein? Alors, je vais vous donner la définition de smart. Vos objectifs, rêver aussi fort que vous voulez. Toutefois, soyez vraiment spécifique et précis. Si vous n'êtes pas, si vous dites juste « Ah, oh, j'aimerais atteindre l'Everest »,
ou bien j'aimerais gagner 10 000 euros ou 20 000 euros par mois cette année, c'est super. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir le faire? Est-ce que vous avez tout mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs? Donc, si vous voulez un 5 000 euros de plus par mois, est-ce que vous voulez ça au mois de février? Est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas. Donc, si vous le voulez peut-être d'ici le mois de juillet, oui, c'est possible, c'est atteignable. Est-ce que vous allez mettre tout en place pour y arriver? Donc, définissez d'abord vos buts d'une manière spécifique et précise. Évidemment, mesurez le voyage. Vous avez un voyage à faire. Au courant de votre voyage, mesurez, évaluez chaque semaine, chaque jour, chaque mois, où vous en êtes. Donc, des buts qui sont mesurables, qui sont atteignables, donc pas vraiment complètement hors du... Si vous voulez, par exemple, avoir 3 maisons et puis 5 voitures, c'est peut-être un peu trop loin. Si vous voulez apprendre le chinois et que vous n'avez jamais fait du chinois et que vous n'avez personne autour de vous qui va vous aider, c'est peut-être difficile à atteindre aussi. Par contre, si vous voulez apprendre l'anglais, là, vous avez des options. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais passer 2 mois à Toronto chez Patrick. Ça, c'est possible. Vous pouvez venir apprendre l'anglais au Canada quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Réaliste, évidemment. Hein? Toujours atteignable, réaliste et mesurable dans le temps. Donc, définissez un temps par quand vous voulez. Première étape. Alors, si vous avez un but global, ou disons un grand but, et puis vous voulez savoir, et c'est bien de définir quand vous voulez l'atteindre et quelles sont les étapes intermédiaires. Okay? Donc, soyez le plus précis autour de ça, même si ça vous paraît logique, c'est important de l'écrire et de le définir. D'accord? Alors, les atouts que vous avez. Ce qui est intéressant, vous avez vos atouts personnels que vous connaissez. Mais si on prend le cas de Rain International, c'est un véhicule fantastique pour la réalisation de vos rêves les plus fous. Je vous le dis, je vous le garantis, je l'ai vécu. Donc, j'ai vécu pas avec Rain, mais j'ai vécu avec une autre entreprise qui utilise donc le même système de marketing. Et j'ai jamais autant gagné d'argent de ma vie, et j'ai jamais autant voyagé de ma vie, et j'ai jamais eu autant d'amis de ma vie. Et je n'ai jamais appris autant de choses sur moi et sur les autres. Ça a été vraiment l'université de la vraie vie. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire. Donc, si vous utilisez Rain comme véhicule, vous allez apprendre énormément de choses, que ce soit au niveau communication, que ce soit au niveau relationnel, au niveau leadership, vous allez développer votre leadership, du travail en équipe, parce que vous ne faites pas forcément au jour d'aujourd'hui, au niveau vente, au niveau connaissance humaine, au niveau de votre santé, au niveau organisationnel et au niveau linguistique, parce que vous pouvez très bien commencer à travailler sur des marchés étrangers, etc. Vous avez la possibilité de travailler dans 41 pays au jour d'aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de travailler au Vietnam, il y a des gens qui parlent français au Vietnam, et vous pouvez apprendre le Vietnam aussi, le vietnamien aussi. Ou si vous voulez travailler en Suisse, pour ceux qui sont en France, ce serait idéal. Et là, en Suisse, vous pouvez le faire en italien ou en allemand ou en français. Et ça vous permettra d'aller plus loin. Moi, quand j'étais dans cette autre entreprise, je voyageais dans toute l'Europe. J'allais en Italie, j'allais en Allemagne, j'allais en Suisse, j'allais en France. Donc, c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Et j'ai développé des amitiés que j'ai toujours aujourd'hui. Donc, des amitiés qui datent... vous voyez, Hubert et Alain sont des exemples. Puisque je les ai connus à cette époque-là et on est toujours, 20 ans plus tard, toujours encore en contact. Donc, c'est extraordinaire. Et en plus, ça peut se faire au niveau international. Alors, voilà, c'est un outil fantastique. Alors, vraiment, regardez dans le sens des revenus que vous voulez atteindre aujourd'hui pour cette année, parce que vous avez une... opportunité internationale qui vous donne les moyens de dépasser les revenus traditionnels. Donc, si vous avez un boulot de tous les jours, vous pouvez gagner 5 000 euros par mois ou 10 000 euros ou 3 000 euros. Et il y a un cap en général. Hein? Donc, quand vous êtes dans une entreprise et employé, vous avez un cap. Ici, il n'y a pas de cap.
En fait, si, je raconte une histoire. Il y a un cap de 30 000 $ par semaine. Ça, c'est au niveau commission. Toutefois, il y a encore des bonus que vous allez recevoir. Maintenant, je parle juste de la commission du réseau. 30 000 par semaine, donc ça vous fait combien par mois? Les calculateurs, allez-y, ça fait combien? Oui? Allô? Il y a encore quelqu'un? Non? Je suis tout seul dans la conférence? Non, non, on est là, mais je ne sais pas compter jusqu'à 120 000, c'est pour ça. 120 000 par mois? Bah, si c'est vrai ce que tu dis, oui. Dollars, hein, alors ça fait moins en euros quand même. Hein. Faut pas déconner. Donc, ça fait 90 000 par semaine? Non, ben, tu racontes. Ben oui. 30 000 par semaine, tu as dit. 30 000, 3 fois 30 000. Ah, 3 fois 30 000, d'accord. 3 fois 30 000 par semaine. D'accord. Multiplié par 4. Ben, 36 000, oui. Voilà, 36 000, 300. Non, 360, mais non, qu'est-ce que je raconte? 120 000. 3 fois 30 000. 3 fois 30 000, ben, c'est 90 000. 90 000 par semaine, multiplié par 4. 360 000 par mois. 360 000 par mois. Donc, ça, c'est le maximum des commissions générées par, les, par vos équipes. Mais vous avez encore des bonus que la compagnie vous donne sur tout ce qui est international. Donc, il y a le pool international plus des bonus à droite, à gauche. Donc, on va dire dans les 400 000 par mois. Donc, Et le reste, on va le refaire, hein, tu vois? Comment? On va le refaire, les 40 000 qui restent, là, qui dépassent les 360 000. C'est ça, c'est ça. On les reçoit et puis on peut les offrir à qui vous voulez. En tout cas, vous voyez que c'est un véhicule unique parce que ça, c'est générable. C'est possible de générer ceci en 3 ans, en 5 ans. Même si vous le faites en 10 ans, c'est quand même correct. Vous avez très rarement l'opportunité de générer ce type de revenu avec d'autres entreprises ou même si vous êtes employé. Alors, définissez aujourd'hui combien de partenaires vous aimeriez avoir dans votre équipe. Définissez au mois de janvier aujourd'hui, vous dites, OK, pour l'année 2018, j'aimerais avoir combien de partenaires. Vous savez qu'il vous faut un minimum de 2 partenaires pour commencer. Vous avez 2 partenaires, un à droite et un à gauche, et vous aidez vos partenaires à développer leur réseau, donc aussi bien au niveau de leur réseau de vente de clients, ainsi que leur réseau de partenaires. Mais c'est important que vous développiez une équipe si vous voulez générer des revenus au-dessus de la moyenne. Okay? Donc, définissez ça. Je veux un nouveau partenaire par mois, ou est-ce que j'en veux 2 par mois, ou est-ce que j'en veux 3 par mois. Mais il faut à ce moment-là, évidemment, que vous ayez vos buts qui soient définissables et évidemment que vous puissiez suivre. Alors, en combien de temps aussi, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre pour arriver à atteindre ces objectifs? Parce qu'il est évident que ça ne va pas venir tout seul. Il est évident que vous allez peut-être obligé de sharp your knowledge, donc aiguiser vos connaissances. Hein? Aiguiser vos connaissances peut-être sur comment rencontrer plus de gens, comment pouvoir contacter plus de gens, quel outil de médias sociaux vous allez apprendre à utiliser et apprendre. Parce que moi, personnellement, Facebook, je n'utilise pas trop et je sais que c'est un outil de médias sociaux qui est super important et intéressant et avec lequel je pourrais faire développer plus. Donc, il faut que j'apprenne un peu plus à utiliser Facebook, etc., etc. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse ici pour dire qu'Alain m'a parlé d'une application que j'utilise qui s'appelle Shapur, c'est S-H-A-P-R. Vous avez tout le temps des gens que vous pouvez rencontrer en fonction des intérêts que vous avez. C'est un autre outil. Pour l'instant, j'ai fait des connaissances. Chacun essaie de vendre de sa salade pour moi, en tout cas de mon côté. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des résultats, mais on ne sait jamais. Si j'ai une personne qui est intéressée, qui va commencer avec moi et qui devient un diamond, un diamant, ben, c'est tout bon. Hein? Donc, en fait, ce qu'il y a de bien dans cette application, c'est que vous rencontrez des gens que vous n'avez jamais connus. Donc, c'est du marché froid pur
et ça vous permet d'être alimenté tous les jours. Donc, c'est une application intéressante. C'est un des moyens de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Ok, alors maintenant, comment vous avez des beaux rêves, vous avez des idées, vous voulez atteindre des objectifs, comment vous allez assurer votre succès? Est-ce que vous avez un moyen de mesure de vos progrès? Est-ce que vous avez mis ça en place? Est-ce que vous avez dérapé? Et si vous dérapez, quelles sont vos sources de motivation? Parce que vous savez que, hein, bon, on est tous humains, on a des hauts et des bas, et on a la vie qui nous fait face, on a des fois des problèmes qui nous arrivent, et puis on doit gérer ça, etc. Et puis après, on met de côté, puis on oublie, ou alors on a un client l'un après l'autre qui nous dit non, ou des distributeurs qui arrêtent. Alors, quelles sont vos sources de motivation? Ok. Donc d'abord, mesure de vos progrès. Est-ce que vous avez un système en place qui vous permet de voir ce que vous avez fait? Parce que c'est bien d'avancer, mais il faut de temps en temps regarder derrière, voir tout ce que vous avez fait, regarder tout ce qu'on a déjà mis en place depuis qu'on a commencé ensemble. Alors ça, c'est super. Et puis, si justement vous avez plus de motivation, quelles sont vos sources? Qu'est-ce que vous utilisez pour vous garder en contact? On va en parler un petit peu plus tard. Comment allez-vous vous améliorer? Qu'est-ce que vous utilisez comme système pour vous améliorer? Bon, c'est bien, vous êtes au moins ici à cette formation. Moi, je prends du temps pour vous créer des formations. Il y en a d'autres qui pourront le faire. Hein. Alain peut faire des formations, Hubert aussi, enfin tout le monde, tous ceux qui sont ici, ont la capacité de créer des formations. Donc, si un jour vous voulez le faire, il n'y a aucun problème. Donc, amenez vos connaissances et faites-en bénéficier les autres. OK? Donc, comment allez-vous vous améliorer? Est-ce que vous lisez un livre par mois? Est-ce que vous écoutez un livre par mois? Est-ce que vous allez vous mettre en contact avec votre upline? Est-ce que vous allez relire le GoPro ou bien, etc. Ou le lire même. En tout cas, le GoPro de Eric Worre, c'est le livre à lire. Le livre à avoir comme Bible, si on peut dire, de notre système. Et ça nous permet de bien comprendre la force du réseau, du marketing relationnel. Alors aussi, ce qui est important, vous savez, c'est de célébrer. Parce que vous souvenez quand vous étiez petit et que vous tombiez, vous commenciez à marcher plutôt, et puis que vous tombiez, et puis que vous marchiez encore, vous relevez, vous marchez. Qu'est-ce que vos parents faisaient quand vous marchiez? Quand vous arrivez à marcher, qu'est-ce qu'ils faisaient? Moi, il me disait, maintenant, tu sais marcher, tu cours maintenant. Déjà. Hein, qu'est-ce qu'il faisait? Il félicitait. Hein. Il félicitait. Il vous encourageait. Comment? Il vous encourage. Hein. Exactement. Donc, encourager, féliciter, tout ça, c'est important. Maintenant, vous êtes grand. On a toujours besoin de la même chose. On a toujours besoin de se faire renforcer, de se faire féliciter, etc. Donc, si vous avez un petit succès, vous avez un nouveau distributeur, un nouveau client, vous avez une bonne relation avec quelqu'un, etc., célébrez. Et quand je dis célébrer, ben, ça peut être une petite chose. Hein. Ça peut être un repas, ça peut être un film, ça peut être un massage, ça peut être un voyage, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est que vous apportiez du plaisir. Parce que, en fait, notre cerveau fonctionne par le plaisir. On est toujours dans la recherche du plaisir et dans repousser le déplaisir. Hein? On rejette tout ce qui est déplaisir, mais on recherche le plaisir. Donc, en fait, tout notre système de fonctionnement est basé sur le plaisir. D'où l'importance de célébrer même les petits avancements pour renforcer les neuropathways, le système neuronal qui fait qu'il y a un enregistrement, une association qui se fait. Il dit, ah, j'ai un succès, super, ça m'apporte du plaisir. Hein? Donc, c'est comme l'histoire de Pavlov, je ne sais pas si vous connaissez le chien de Pavlov. En fait, c'est un réflexe conditionné. Donc, vous vous donnez du plaisir avec du succès. Donc, il y aura un réflexe qui se met en place dans votre tête. Ça veut dire que vous allez attirer le succès en étant conditionné dans le plaisir. Donc, je vous encourage à célébrer chaque petit succès que vous avez. OK? Un pas l'un après l'autre, un succès l'un après l'autre. Hein? Ça, c'est évident. OK? Donc, là, je vais vous donner une formule de la réussite. C'est la formule des 4D. Si vous voulez changer quelque chose, puisqu'on est dans le thème du changement ou de l'amélioration ou de l'évolution,
au mois de janvier. Tout changement commence par la formule des 4 D. Alors, à votre avis, ça commence par quoi? Quel est le premier D, le premier mot qu'on va créer, qui commence par D? À votre avis, tout commence par quoi? Départ. Ah, c'est bien, mais non, pas départ. Définir. Non plus. Détermination. Non, ça c'est le dernier. Ça commence par le désir. Un désir ardent de vouloir changer quelque chose dans votre vie. Si vous avez, c'est tout, tout commence par là. Hein. Si vous avez vraiment une envie brûlante, une envie, un désir ardent de vouloir changer quelque chose, ben là, il va se passer des choses. Le deuxième D, c'est quoi? Oui. Non? Développer. Développer? Non. Ok, je vous le donne. Décision. Vous prenez la décision de créer des changements, de mettre en place un système, un plan d'action. Donc, c'est une décision. Ok, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer à partir d'aujourd'hui, je perds du poids à partir d'aujourd'hui. Je mets un plan pour me permettre d'atteindre ces objectifs. À partir d'aujourd'hui, je définis d'avoir un distributeur par semaine ou deux distributeurs par mois ou ce que vous décidez ou trois nouveaux clients ce mois, etc. Donc, vous décidez et vous mettez un système en place. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir un système. Sinon, si vous avez juste des désirs, prenez des décisions, ben, il n'y a pas de suivi, ça ne va pas aller. Donc, ça demande un troisième dé. C'est quoi le troisième D, à votre avis? Avec 3D dans le mot, en alsacien? Non. Non. C'est quoi le troisième? Détermination. Non, ça c'est le dernier. C'est le dernier. Le plus dur, en fait, c'est le plus dur. À votre avis, c'est quoi? Non? Donnez votre langue au chat. Démarrer. Marée. Non. Ah. Discipline, parce que vous avez pris la décision. Ah. C'est d'avoir la discipline de maintenir le plan d'action continuellement et de revoir votre trajectoire en cours de route. Donc, vous avez la décision qui est prise et puis vous avez un plan d'action qui est en place. Donc, vous avez un système. Mais comme je vous disais, on dérape. On dérape souvent. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette discipline de revenir toujours sur votre plan d'action, de le revoir, de redéfinir votre trajectoire et de continuer vers l'objectif que vous voulez atteindre. Alors, c'est quoi le dernier? Détermination. Bravo. Donc, détermination de ne pas lâcher ce que vous avez décidé de faire, de maintenir votre vision, vos rêves en vie et de les nourrir aussi. Okay? Quoi qu'il arrive, nourrissez vos rêves. C'est des rêves, c'est vraiment, donc vos objectifs, vos buts, vos rêves, ils ont besoin d'être nourris constamment et justement d'être célébrés quand vous atteignez un petit départ, ok, un petit résultat. Alors voilà, vous êtes comme la petite frog, grenouille ici, vous voyez, elle lâche pas, hein, elle lâche pas. Je trouve cette image tellement super. Vous la voyez bien? Oui. Ah ouais, okay. Ok, alors je vais vous donner 6 clés de la réussite. D'accord? Vous êtes prêts? Donc là, vous avez les 4 D qui est la formule magique et là, vous avez les 6 clés. Là, vous allez bien pouvoir y arriver. Donc, la première chose, c'est que vous ayez une vision des choses. Mais pour avoir une vision des choses, il faut que vous la créez, la vision. Donc, moi, je vais vous donner un outil ici. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Dream Board. Alors, comment on dit en français le Dream Board? C'est comme un... Moi, j'en ai un ici, d'ailleurs, je pourrais vous le montrer. Je crée toujours un collage que je crée. Vous pouvez le créer sur un ordinateur, vous pouvez le créer avec papier. Je découpe des morceaux de la choses, de la vision que j'ai, par exemple la vue que je vais avoir depuis ma maison, ou bien des voyages que je veux créer, ou bien des choses de santé, ou bien une relation amoureuse, etc. Donc je crée ça sur
Le vision board. Comment on appelle ça en français? Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Un tableau de bord. Un tableau de visualisation. Donc, faites votre petit tableau et vous allez voir à quel point, il faut le regarder évidemment hein, tous les jours, vous allez voir à quel point les choses vont se manifester. C'est incroyable, c'est presque magique. Alors, ça se manifeste quand on le voit, mais il faut le créer, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'imaginer, ok, qu'est-ce que je veux cette année. Et après, évidemment, il faut planifier. Hein. Donc, c'est bien d'avoir une vision, mais si on a juste un tableau de visualisation et puis on ne fait rien derrière, ça ne va pas se faire. Alors, planifiez votre succès, planifiez chaque pas, exécutez chaque pas et évidemment, mesurez, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mesurez les progrès, ajustez les progrès et célébrez. Donc ça, c'est vraiment les six clés. Si vous avez ça qui est en place, vous avez forte chance d'y arriver à tout moment. Ok, six clés simples, mais c'est les clés d'or. C'est bon? Alors, évidemment, motivation est importante. Quelles sont les sources de motivation que vous avez? Quelles sont les formations que vous avez à disposition? On a des documentations qui sont traduites. Le comment commencer, la lettre d'engagement, les outils de suivi. On a des outils de suivi, hein? C'est-à-dire qu'on a une sorte de truc, de tableau sur 90 jours qu'on peut utiliser, où on a juste à faire des checklists. Hein. Utilisez ça, utilisez tout ce qu'on a à disposition. Il y a beaucoup plus de choses en anglais, mais en français, on a quand même traduit la base. Alors, utilisez cette base parce qu'elle est suffisante, en fait, pour déjà générer des succès. Utilisez les témoignages. Les témoignages sont extraordinaires. Là, Alain vient de récolter un témoignage d'un gars qu'il a connu en Autriche, qui l'a traduit d'ailleurs, que je vais vous envoyer également, qui est super. En fait, Alain, est-ce que tu veux peut-être nous le dire là tout de suite? Tu as envie de le lire à tout le monde parce que, ou bien d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Est-ce que tu as envie de faire ça? Oui, au contraire. J'ai toujours un peu de problème avec les témoignages puisque c'est toujours trop beau. Enfin, c'est mon aspect personnel. Par exemple, quand Hubert parle des effets... sur sa santé, sur celle de sa maman, etc. Moi, je suis toujours un peu ébahi, quoi. Hein, et j'ai toujours un peu la trouille de parler de cancer et compagnie. Hein. Oui. Nous avons une autre entreprise qui s'appelle Effie Énergie et qui fabrique des systèmes qui permettent d'économiser l'énergie électrique. Et on nous a sollicité, des Italiens, d'abord des Allemands, nous ont sollicité pour devenir distributeurs pour nos systèmes. Et je vous donne juste le contexte, là, rapidement. Et ces Allemands-là nous ont dit, au Sud-Tirol, ça, c'est la partie autrichienne de l'Italie, si vous voulez. C'est comme l'Alsace en France, hein, ça fait partie de l'Allemagne à l'origine. Et donc, c'est la région de Bolzano, Merano, là, dans ce coin-là. On est donc allé voir des gens pour installer des systèmes comme ça dans des hôtels. Ça va? Oui, vas-y, m'excuse. Non, je m'en prie. On est allé là-bas un week-end en novembre pour... essayer de définir, de mettre en place dans des hôtels des systèmes et expliquer comment ça fonctionne, tout ce truc-là. Bref. Et le gars nous emmène, c'est un ancien politicien, il a eu 60 ans le 21 décembre. Et c'est un sportif de haut niveau, il fait de l'alpinisme. Il habite par exemple à, je sais pas, 2000 mètres et tous les jours il monte du village et redescend du village, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Enfin bref. Ouais. Donc il fait penser à Hubert quand je le vois. Comme grand sportif, quoi. Et ce gars-là, il nous emmène dans une pizzeria qui est très spécifique, c'est pas un truc standard, enfin bref, quoi, je vous passe le truc, et il nous parle de santé et de trucs. Et j'ai dit, écoute, nous, on a peut-être un truc à te faire goûter, etc. Et je lui explique, et le gars, ouais, super intéressé, complément alimentaire, d'ailleurs, il en diffuse en Italie et tout ça. Et je lui ai filé une boîte de saule. Et on a commencé à... pas vendu, hein, je l'ai donné parce que je me suis dit, tiens, si jamais ça accroche, là, ça va pas être mal, quoi. Et donc, on s'est rappelé ensuite, et le gars avait un gros problème parce que, est-ce qu'en Italie, ça respecte les règles, etc. Parce qu'eux, ils font partie de l'Italie. Et donc, je me suis renseigné à l'époque chez les gens qui avaient à Düsseldorf, on m'a dit, ouais, l'Italie, c'est ouvert, tout ça, bref. Et donc, je lui ai expliqué ça rapidement. Il m'a envoyé un mail fin décembre. Pour me dire comment on peut faire. Moi, je voudrais vendre ça dans les pharmacies, machin truc. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. C'est un système de marketing de réseau.
c'est toi qui distribues, et si ton pharmacien devient distributeur, ben, il devient distributeur, mais c'est pas comme ça, quoi. C'est pas comme lui veut faire, quoi. Que les marges étaient trop petites, blabla. Et là, début d'année, il m'a envoyé un mail que j'ai fait parvenir à Patrick avec la traduction, parce qu'il dit, en recherchant des informations sur ton produit, je suis tombé sur des trucs du genre, un type qui avait un problème à un genou pendant des années, un autre qui avait un bras paralysé, enfin, vous le lirez le truc. Et en prenant simplement un sachet de saule un jour sur deux ou un jour sur trois, parce qu'il n'a pas fait ça tout à fait régulièrement, il s'est rendu compte subitement qu'il était plus constipé, qu'il avait plus de douleur, qu'il pouvait plier sa main qui était malade depuis 30 ans. Enfin, bref, qu'il y avait des tas de choses comme ça. Voilà, ça, je trouve que c'est un... Et il dit peut-être que ça vient de Rennes, et même j'y crois. Et demain, donc enfin, vendredi, c'est demain, il veut devenir distributeur et s'inscrire dans un... Comment ça s'appelle? Un autoship. Voilà. Donc, je peux vous dire que ça, c'est... Moi, je suis très surpris parce que c'est un gars qui est extrêmement réservé. Hein. Il est très, très... Il n'est pas comme moi, là, extraverti. Il est complètement introverti. Mais il monte des systèmes, il y croit. Et voilà, ça a mis un mois et demi. Il est revenu tout seul, vous voyez. Voilà, c'est ça, Alain, ça c'est super. Donc en fait tu l'as laissé faire son expérience, il a fait sa recherche, un introverti qui fait sa recherche, etc., qui a pris ce produit. Mais tu me disais que en fait il avait même pas réalisé qu'il avait plus mal à son bras, hein, oui exactement, mais c'est ce que nous a dit aussi Hubert, hein. Un jour j'ai entendu ça à Blotzheim, je crois, où il disait ben, qu'il se rendait compte d'un coup qu'il n'a plus besoin de se lever la nuit, ou je ne sais plus, il y avait un truc dans ce genre-là. Ça me rappelle ça, oui, c'est vrai. Oui, donc en fait, tu disais que en lisant les témoignages d'autres personnes, il s'est rendu compte que lui n'avait plus mal. Parce que Exactement. Il avait plus mal, mais il s'était pas rendu compte, il trouvait que c'était normal. D'ailleurs, c'était la même chose pour ma sœur. Hein. Elle avait son talon de... sa tendinite. Elle me disait, je lui demandais qu'est-ce qu'elle avait comme problème, et puis elle me parlait de sa tendinite qu'elle avait essayé de guérir activement pendant des années, enfin une année et demie, je crois, une année et demie ou deux, avec de l'acupuncture, avec des massages, avec des huiles spéciales, tous les trucs naturels, l'homéopathie, elle a tout essayé, il n'y a rien qui marchait. Et puis, bon, je lui dis, bon, elle a pris son saule et tout ça, son saule et son corps, et puis je lui demande, est-ce que tu as remarqué une chose? Oui, bon, ben, je vais plus souvent aux toilettes, mais à part ça, j'ai beaucoup d'énergie, tout ça. Et puis je lui demande, donc à peu près 6 semaines plus tard, hein, je lui demande, et puis ta tendinite, elle en est où? Ah bah oui, c'est vrai, j'ai plus mal, tiens. Elle n'y avait pas pensé, elle se rendait compte qu'elle avait plus mal. Donc effectivement, les gens ne sont pas forcément en phase avec leur corps ou n'écoutent pas forcément leur corps de la même façon. Et ils se rendent compte petit à petit. Et puis, c'est un produit qui fait ses effets naturellement et petit à petit. D'ailleurs, Alain, toi, tu as aussi parlé de ta progression au niveau du sang. T'inquiète. C'est assez époustouflant aussi. Ouais. Donc là, les gens ne savent pas trop de quoi je parle parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce témoignage. Non, mais Janine m'a dit de la fermer parce que je l'ai toujours ouverte. Donc, elle m'a mis un scotch sur la bouche. D'accord. En tout cas, si vous venez aux conférences. Non, mais je vais dire rapidement. Depuis toujours, j'ai un déficit de plaquettes dans une prise de sang où on vous donne les globules rouges, etc. etc. Et les plaquettes qui, elles, c'est les hématocrites quoi, qui transportent en fait aussi l'oxygène à l'intérieur, etc. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu un déficit. Le minimum qu'on doit avoir, c'est 150 000 par millimètre cube. Et moi, je me baladais toujours 80, 90, 95 000. Voilà. Et là, j'ai eu une opération du cœur, il n'y a pas longtemps, le 2 novembre. Et donc, on m'a fait avant des prises de sang et après. Et donc, mes plaquettes, elles sont constamment en augmentation. Je suis à 170 000, là, la dernière prise de sang. Et en fait, moi, je pense fortement que ça vient de Saul, quoi, parce que je ne m'explique pas ça autrement. Parce qu'au niveau santé, j'étais plutôt en plus mauvais état avant mon opération qu'avant, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, ça aurait dû aller dans l'autre sens. Voilà c'est ça. Hein. Donc, ouais, c'est super. Et puis bon, des témoignages, je peux dire, on pourrait certainement en avoir des dizaines ici ce soir même, directement avec vous, parce qu'on a chacun nos histoires. Mais je trouvais que c'était bien c'est quand même super. Donc, de les avoir par écrit,
C'était un peu le but de mon message ici, c'est qu'on collectionne les témoignages, quels qu'ils soient, vos propres témoignages personnels, ceux de vos amis, de vos clients, etc. Collectionnez ces témoignages par écrit parce qu'on va pouvoir les mettre sur le site à un moment donné. Et aussi, ce sont des sources de motivation pour nous parce qu'on sait qu'on transforme la vie des gens. On transforme la vie des gens sur le plan personnel comme sur le plan financier, s'ils le veulent. Donc, c'est pour ça que c'est super important de demander ce que les gens ressentent et de l'écrire, de le demander par écrit si possible. D'accord ? Donc, utilisez ça comme source d'avancement pour aller de l'avant, pour être motivé. Évidemment, utilisez les formations qui sont en ligne, qui sont offertes. Donc, si vous parlez l'anglais, ben, allez sur le site. Il y a énormément de formations anglophones en anglais et en allemand d'ailleurs. Les françaises, ben, c'est nous qui les faisons. Donc, j'en ai quelques-unes qui sont déjà en place. Vous pouvez les récupérer régulièrement. Si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à me demander ou demander à votre upline, à votre partenaire, à votre parrain qui vous les mettra à disposition. Donc, j'en ai sur différents sujets, comment démarrer, les objections, qui est un peu plus longue, mais qui est très, très, très importante. Etc. Donc, utilisez ces formations pour vous remotiver. Réécoutez-les parce qu'on retombe forcément dans nos vieilles habitudes. Donc, réécoutez les formations même si vous l'avez déjà fait une fois. Je crois que Jessica l'a fait, hein, l'a réécouté les formations. Qu'est-ce que ça t'a apporté, Jessica, le fait d'avoir fait ces formations ou réécouté ces formations? Ça fait beaucoup de bien en fait parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'informations qui sont données. Qui sont donnés comme ça dans les formations, puis juste de les réécouter, de reprendre des notes, de se remettre dedans. Moi, je suis vraiment sortie du côté « oui, je sais » pour me dire « ok, je n'ai pas appliqué ». Ouais, exact. Hein. Ça t'a permis de voir ça. Et en fait, on n'entend pas la même chose, on n'entend pas les messages de la même façon la deuxième fois ou la troisième fois. Hein. Non, c'est ça. Puis là, bah, typiquement, j'ai aussi repris le GoPro. Et puis, je me suis rendu compte que après quelques mois où j'ai commencé à entrer dans l'affaire, ben, je comprends les choses complètement différemment. Et puis, il y a des choses qui ne me parlaient pas au début. Puis maintenant, ça fait complètement sens. Je me dis, ah ouais, maintenant, je vois comment appliquer ce point ou pas. Puis d'autres, je me dis, ah ben, j'y suis pas encore. Et je sens qu'il me manque peut-être encore des étapes entre deux. Ça, et c'est beaucoup plus de sens. Ça, c'est super, Jess. Ça, c'est exactement ça. Hein. Au fil du temps, il y a des éléments qui ne nous parlent pas et puis qui sont... Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'on a la connexion qui a des bugs et du coup, en fait, ça a coupé juste quand tu commençais à parler. Ah, d'accord. Je disais que... Non, c'est exactement ça. C'est super que tu mentionnes ça parce qu'effectivement... On lit des choses à un moment donné ou on écoute des choses à un moment donné qui ne sont pas applicables, mais qui le sont plus tard après avoir fait des expériences. C'est tout à fait exactement ça. C'est pour ça que c'est important de continuer et de ne pas s'arrêter en cours de route. Ou bien si on s'arrête parce qu'il y a des besoins des fois, ben, de reprendre, de revenir, de relire et puis ça, hop, ça nous permet de repartir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre upline. Et Jessica est super pour ça. Elle veut que je l'aide et puis donc on a des contacts réguliers et puis donc on parle des choses qu'elle a besoin et c'est super ça, je trouve. Bravo pour faire ça, Jessica. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin et puis sollicitez votre upline aussi, hein. D'accord, merci. Et donc votre équipe aussi, votre équipe est une source de motivation, source de formation. Moi, j'apprends beaucoup de mon équipe. Hein. Et j'aime beaucoup cet élément-là. Together, everyone achieves more. Ça veut dire ensemble, chacun atteint plus de choses. Donc, on a une équipe extraordinaire, vraiment de gens spéciaux et fantastiques ici. On est tous très différents et c'est ce qui fait la richesse de notre équipe. D'où les couleurs différentes ici que je trouve bien aussi. Donc, il faut rester en contact avec votre équipe, avec notre équipe, qu'elle soit petite ou grande, c'est pas important. Et si elle est toute petite et si vous êtes tout seul, ben contactez les autres. On travaille ensemble, même si vous n'êtes pas dans la même équipe, même si vous n'êtes pas sous la même ligne, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on crée cette synergie et qu'on apprend les uns des autres, qu'on apporte des choses les uns aux autres. Et je peux vous garantir, vous voyez,
c'était notre force quand j'ai commencé dans cette entreprise précédente en Europe. On était l'équipe qui, enfin, on était le pays qui avançait le plus vite dans toute l'Europe et même dans le monde d'ailleurs, parce qu'en fait, on était soudés. On avait, je sais pas moi, 4-5 différentes lignes, donc séparées, qui étaient sponsorisées avec séparées. Il y avait un gars qui était au-dessus de tout le monde, mais on travaillait tous ensemble. On s'en foutait si on était dans cette équipe ou cette équipe. On travaillait ensemble et on s'entraidait en fonction des affinités, en fonction des capacités de chacun. Et puis, on s'apportait les uns aux autres. Donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment de travailler tous ensemble et puis d'aller vers un objectif commun qui est finalement d'atteindre votre freedom, votre liberté personnelle et financière et votre santé ultime. Donc, je suis vraiment content qu'on arrive à créer cette synergie. Utiliser Facebook. Alors, Rain a mis beaucoup d'accent sur les médias sociaux, en particulier Facebook. Donc, si vous parlez anglais, vous êtes à l'aise dans cette langue. Il y a énormément d'informations que Rain partage. Allez voir sur Facebook. Moi, je vais. Et puis, ils vont encore donner d'autres choses. Ils vont améliorer le Rain Connect. Vous savez que Rain Connect, c'est votre, c'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone, Rain Connect, et ça vous permet d'avoir accès à des vidéos, à des textes qui sont automatiquement générés, à avoir un système de suivi, donc tout ça sur votre téléphone. Donc c'est très pratique, c'est tout en anglais. Ça ne sera pas en français demain, mais il y a d'autres langues. Il y a d'autres langues disponibles. Donc, regardez, il y a en italien, il y a même en tchèque, en slovénien, ou je sais pas, il y a comme d'autres langues. En allemand aussi, je crois. Il y a allemand, oui. Ouais. Juste une petite correction, si tu me permets. Oui, oui. C'est pas gratuit. Hein. Comment ? C'est pas gratuit, ça coûte 64 euros. C'est gratuit, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, ils ont changé ça, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour chaque personne qui achète un package élite, l'application Rain Connect est gratuite pendant un an, donc la première année. Et après, je ne sais pas si ça va être renouvelé selon votre niveau, selon votre. Peut-être que c'est automatiquement intégré en fonction de votre volume. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque package d'élite va avoir accès à Rain Connect gratuitement. Avant, c'était vrai qu'il fallait payer. Maintenant, ils ont intégré ça dans le kit de départ. Si vous prenez le kit de Builder, vous avez droit à l'application gratuite pendant 6 mois au lieu d'une année. Tous les kits en dessous, c'est l'application gratuite pendant 6 mois. Ils vont aussi changer l'application. Ils vont l'améliorer énormément à partir du mois d'avril, d'après ce que j'ai compris, s'ils arrivent à maintenir leur délai. Normalement, à partir du mois d'avril, il y aura une application nettement améliorée. Mais elle est déjà pas mal. Hein? Elle est déjà pas mal comme ça et elle nous permet de bien, bien avancer. En tout cas, moi, je vous recommande de l'utiliser. Et si vous n'êtes pas très bon en anglais, ben, c'est l'opportunité pour apprendre. Il y a toutes sortes de vidéos disponibles, mais elles sont toutes en anglais. Alors, il faudrait voir si on pourrait intégrer nos vidéos françaises ou en tout cas avoir... Je vais essayer de demander si on arriverait à faire ça. Hein? Enfin, voilà, donc utilisez aussi Amazon, enfin je dis Amazon ou n'importe quelle source de, ou la FNAC ou ce que vous voulez, qui vous permet d'utiliser des livres. Moi, j'écoute beaucoup les livres plutôt que de les lire, je suis plus auditif. Et donc, il y a beaucoup de livres, même le GoPro, il existe en audible. En auditif plutôt. Donc vous pouvez, ça s'appelle audible.com. Hein? Donc si vous allez sur audible.com, vous pouvez télécharger des livres audio. Donc ça aussi, ça existe sur une application hein, sur votre téléphone. Vous pouvez mettre ça n'importe où, n'importe quand, sur votre iPad ou bien votre tablette ou sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger toutes sortes de livres à audio ou évidemment à lire. Moi, je vous recommande de faire ça continuellement parce qu'on est vraiment dans le développement personnel, hein, dans ce genre de... C'est pour ça que je dis le marketing relationnel, c'est une opportunité pour grandir. Et en fait, vous avez... Et c'est, moi, je trouve que c'est tout gagnant parce que d'une part, que vous arrêtiez ou pas en cours de route,
vous aurez appris plein de choses que vous pouvez transférer sur d'autres business. Si vous continuez, vous allez pouvoir atteindre des objectifs financiers hors du commun qu'il y a vraiment peu d'industries qui vous permettent de l'atteindre. Troisièmement, en général, la santé, surtout dans cette entreprise-là, puisque ce sont des produits naturels, vous optimisez votre santé. Donc, c'est vraiment gagnant partout. En plus, vous rencontrez des gens super. Et puis, je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui… il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont divorcés d'ailleurs aussi. il y a eu de tout, mais enfin, il y a des tas de choses. Il y a des amitiés, évidemment, des longues amitiés qui se créent. Donc, c'est vraiment… une industrie exceptionnelle, quoi. Et d'ailleurs, Eric Ward en parle bien dans son livre aussi. Alors voilà, donc c'est tout gagnant. N'oubliez pas de vous motiver continuellement parce que c'est évident que vous allez monter et descendre dans vos motivations en fonction de la vie à laquelle on fait face. Alors, j'espère que cette formation vous a été utile. Nous avons des conférences qui vont venir. Surtout faites en sorte d'avoir un maximum de monde qui vient. L'objectif de ces présentations ou de ces conférences, c'est d'informer. Hein, nous sommes d'abord des éducateurs et on donne la chance aux gens. Il ne faut jamais oublier ça. On donne la chance aux gens de changer leur vie sur le plan personnel ou sur le plan financier. Donc, on les met dans une situation où ils ont accès à l'information et après, ils décident. Donc, la première conférence est là tout de suite, bientôt, le 23 janvier à Mulhouse, dans un petit hôtel qui s'appelle l'Estar Résidence, qui est à la rue du Saint-Sauveur. Le 8 février, la prochaine conférence qui est prévue est à Écublanc, qui est à côté de Lausanne, à la Galerie du Pressoir, donc aussi à 19h30, prévue pour le 8 février. Et j'ai prévu deux autres conférences. Une qui est possiblement dans la région de Strasbourg-Colmar avec Alain, donc on va voir les dates qui seront idéales, et une autre à Genève ou dans la région de Genève, aussi dans la semaine du 4 février ou du 5 février. J'essaye d'avoir dans cette semaine-là et il est possible que j'en fasse encore une à Sierre. Donc ça, c'est à voir dans cette semaine-là ou juste la semaine d'après. Donc, toujours la première semaine de février. Voilà. Alors, votre succès n'est pas dans le futur. Il est dans le futur, mais le futur est maintenant. Alors, je vous souhaite une année 2018 extraordinaire, pleine de feux d'artifice, pleine de couleurs. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions particulières. Merci. Alors, je vais peut-être arrêter le partage de l'écran. Voilà, on se remet tous en vidéo si vous voulez. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Est-ce qu'il existe des ouvrages pour le marketing de réseau via les réseaux sociaux ? Oui, plein. Hein. Tu veux dire marketing de réseau et réseaux sociaux ? Non, des bouquins qui illustre et qui démontre les techniques via les réseaux sociaux. Parce qu'on voit en fait qu'en ce moment, il y a énormément d'entreprises de marketing de réseau qui se développent et qui utilisent les mêmes codes. Donc, les mêmes codes, d'accord. Il y a les mêmes codes qui sont utilisés, donc les gens, ils en sont lassés et ils en sont réticents. Donc, pour savoir s'il existe d'autres manières, donc d'autres approches. Je suis incapable de te répondre à ça, Stéphane. Je ne sais pas et je suis sûr que quelqu'un réussira à avoir cette réponse. Janine, est-ce que toi tu as un mot là-dessus? Pas d'un mot, je ne sais pas. Parce que Janine est aussi une pro des médias sociaux là. Ah, mais c'est ma marraine par la même occasion donc. Oui. marraine dans tous les sens, non? C'est ma vraie marraine. La vraie marraine. Ok. Donc. Il faudrait chercher. Écoute, Stéphane, je pense que c'est un truc à voir. On peut utiliser Instagram. Je sais que le fils de l'élève de Hubert utilise pas mal aussi le système. Et je crois qu'il le fait plus naturellement sans avoir trop cherché au niveau des Stéphane. Oui.
Tu sais que tu connais le principe. Hein? Quand tu viens avec une question, viens en même temps avec deux réponses. Tu vas voir, c'est plus facile. Non, mais c'est bien qu'il pose la question. Tu sais, il faudrait peut-être même regarder sur Internet si on peut trouver des réponses à ça. Donc, ce serait voir s'il y a moyen. Il y a certainement des ouvrages là-dessus. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a dû écrire là-dessus. Donc, je te laisse faire une recherche, puis tu nous diras. OK. Merci. Lui est encore plus tordu que moi. Moi, je te dis directement l'autre idée. D'autres questions? Quand est-ce qu'on mange? Vous avez d'autres questions? Non, c'est bien. Non, tout va bien? Tout était clair? Ouais, moi, j'ai trouvé que c'est... Enfin, si je peux me permettre juste ce commentaire. J'ai trouvé que c'était très concis, très complet. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens aussi pour nos conférences. Absolument. On en a parlé avec Hubert l'autre jour, donc notre prochaine conférence. Ah, on avait perdu, on avait perdu Jessica. Bienvenue. Oui, on en a parlé justement avec Hubert. On va voir pour ce week-end si on peut créer quelque chose de beaucoup plus concis. Parce qu'en fait, mais ça dépend aussi des marchés. Hein. Tu vois, je disais, le marché français n'étant pas ouvert, il faut qu'on fasse une conférence différente d'un marché suisse, par exemple. Bien sûr. Si je fais le marché suisse, je suis obligé de parler du business. Enfin, je vais parler du business plus en détail. Si je fais un marché français, je vais parler plus du produit. Donc, il faut qu'on s'adapte aux différents marchés. Mais on va définitivement travailler sur la... Je voulais dire, la formation que tu as fait ce soir, elle couvre tout, quoi. À peu près tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut rajouter, je veux dire. Après, il faut rentrer dans les détails. Et quand on fait nos présentations, il faudrait qu'on arrive à faire un truc de ce type-là en une heure de temps. Et après, s'il y a des gens qui veulent plus de précision, OK. Mais ceux qui ne veulent pas plus de précision, il ne faut pas que ça les empêche de revenir un jour, quoi. C'est un peu ça mon souci. Là, je voulais vous donner les grandes lignes. Maintenant, les outils concrets, on les a. Hein, c'est-à-dire, on a vraiment les documents qui nous permettent de faire les pas en avant. Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous rencontriez vos équipes et que vous mettiez ça en place. Et vous posez les questions. Dites, OK, quels sont les objectifs que tu as créés pour cette année? Qu'est-ce que tu vas vraiment mettre en place? Comment je peux t'aider? OK? Comment je peux t'aider? Est-ce que tu as eu ce document-là, qui est le document avec la checklist là, hein? Est-ce que tu as lu les 6 points de comment démarrer? Est-ce que tu as le système de suivi, etc., etc. Faites votre suivi les uns avec les autres. Entraidez-vous, parce que finalement, l'objectif, c'est d'acquérir notre liberté financière et avoir plus de temps pour soi, pour s'amuser plus. Vous êtes d'accord que c'est ça qu'on veut tous, non? Oh, yes! Est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un World Summit qui aura lieu du 12 au 14 avril à Berlin. Est-ce que tu as des infos là-dessus, Patrick? Un World Summit, donc… Ah ouais, du 12 au 14 avril à Berlin. Ah, en avril? Ah non, pas oui. Du tout, je ne suis pas au courant. Ouais. Bah, c'est publié sur Facebook comme d'habitude. Et c'est nouveau ça, c'est parce qu'ils viennent d'avoir, une réunion de tous les leaders de Rain, donc les leaders de la compagnie Rain, hein? Donc Aaron Palmer pour l'Europe, il y avait les Chinois, il y avait le Russe, donc toutes les directeurs qui viennent de se réunir il y a quelques jours là. Aujourd'hui ils ont une réunion aussi où ils se revoient, ils invitent des gens de l'extérieur, donc il y a des choses qui bougent et qui se passent. Et oui, effectivement, dans cette petite vidéo, ils ont annoncé qu'ils allaient faire… Parce qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient tous les 2 ans une réunion internationale où tous les pays se réunissaient. Et puis, alternativement, donc indépendamment, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Et donc, tous les 2 ans, c'était tout le monde. Et là, apparemment, ils sont en train de changer de direction et puis ils vont, je pense, faire des choses indépendantes sur chaque continent. Donc, peut-être que ce que tu viens de dire, Hubert, fait partie de ces changements ou de ces réunions. Parce que c'est vrai, et ça, Alain, tu peux le confirmer, Alain, Janine, vous pouvez confirmer, c'est que quand on va à une de ces réunions,
on revient complètement boosté. Hein. Et je vous encourage, mais alors à 200%, de mettre du temps dans la participation à toute réunion qui se font. Si vous comprenez une des langues qui est utilisée, super, que ce soit en allemand. Sinon, on s'organise pour traduire. Si par exemple, Sandrine, tu veux aller à Berlin avec Hubert, je suis sûr que Hubert va te donner... mais le fait, rien d'être là-bas, tu sais. Comme par exemple, Tom est venu en Croatie. Moi aussi. Il parlait pas l'anglais, ou tout peu. Mais ça l'a boosté complètement. Même s'il ne comprenait pas les trois quarts, il était boosté. Alors nous, on s'occupait pour lui traduire. Moi, je traduisais dans l'oreille tout le temps. Et puis après, on faisait un débrief à la fin. Et puis, mais il a vu, il a senti, ça change complètement, quoi. Ça change la vision des choses. On reçoit énormément d'informations. Ouais. Et puis, juste pour les gens qui parlent peut-être pas anglais, il y a aussi vous pouvez avoir des casques et vous avez des traductions simultanées en russe, en anglais, etc. Ça existe. Chaque fois, enfin, moi, j'y étais que deux fois avec Janine, une fois en Croatie où il y avait aussi Hubert, et une fois à Ulm où c'était une réunion plus petite où il y avait 300 personnes qui était organisée par Delors, tu sais, et par Patrick, par Georg de Weller, ouais. C'est ça, ouais. Et là aussi, on avait les traductions, on avait le gros tam-tam avec la musique, etc. Et c'est vrai, moi, je n'y croyais pas non plus. Alors, pardon, je reviens encore une fois là-dessus. Par rapport aux témoignages, j'avais aussi des réticences. Et par rapport à ces grands messes, j'avais aussi des réticences. Parce que ça ne me paraissait pas crédible. Quoi. Tout est beau, tout est gentil, machin truc, il n'y a pas de merde. Enfin bref, quoi. Je ne connais pas une boîte comme ça. Et donc, quand on y va, on est quand même entraîné. C'est l'effet de foule, hein. Et ça nous booste, il faut vraiment reconnaître ça. Quoi. Après, on en fait ce qu'on en veut, hein. Il y a chacun son tempérament, et voilà. Mais c'est très profitable. Je conseille à tout le monde, et pour moi, l'objectif dans l'équipe qu'on a créée, c'est que tout le monde y aille à la prochaine, qui est en Tchécoslovaquie. En Tchéquie. En Prague. À Prague. Prague, ouais. Bah, tu peux aller en Croatie, Stéphane, si tu as fait 1 million d'euros de chiffre, c'est pas de problème. Ah ben là, si je fais un chiffre. Donc Prague, mois de septembre, normalement, on a déjà pris nos billets, hein, nous, Hubert et Alain, ouais. On a déjà acheté nos billets. Je ne sais plus. Oui. Tom aussi, ouais. Donc c'est sûr qu'on va y aller et ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc essayez dans vos plans hein, de l'année, mettez ça là-dedans, mettez les priorités. Ok, dès qu'il y a une réunion quelque part, allez-y. Même Jessica, je ne sais pas si tu peux, mais si tu as envie de venir avec Nelly et puis avec quelqu'un d'autre à Mulhouse, c'est à peu près 3 heures de route pour toi maximum, et que tu as envie de venir passer la soirée avec nous, tu es la bienvenue, hein, évidemment. Et ça te permettra d'être dans le coup et puis peut-être que ça apportera quelque chose à quelqu'un. C'est une idée. Hein? Nicolas, vous êtes à Mulhouse aussi, hein? Oui, il est à Mulhouse, oui. Ok. D'accord. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut planifier et qu'il faut intégrer dans votre boîte à outils. Autre chose? Non? Plus rien? Non, je crois que c'est bien, là. Enfin, personnellement. Ok. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous. Je vous souhaite un succès extraordinaire. Pour cette année 2018, je compte passer des moments super le fun, comme ils disent au Québec, dans le sens que on va non seulement grandir, avoir du succès et tout ça, mais on va aussi s'amuser. Et cette partie-là de s'amuser est très 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 importante. Alors quand on était en Croatie là avec Hubert et Alain et Janine, on s'est vraiment bien amusé, on a bien rigolé, surtout. Bon, t'as pas vu ça, là. On est allé se baigner avec Hubert et on a bien rigolé le jour, là. On a quelques photos assez intéressantes. Vous avez mes problèmes de cœur, là. Oui. T'as transpiré. Ok, alors, bonne année 2018